Nous poursuivons notre cycle d'émissions au village Kihi, dans ce beau cadre, en recevant un écrivain qui compte dans la littérature ivoirienne, un écrivain prolixe, un écrivain qui est polygénérique, roman, essai, théâtre, poésie. Il a obtenu le grand prix Bernard Dadier, mais également le prix Chikaya Otamsi de la poésie. J'imagine que certains lecteurs ont envie de deviner de qui il s'agit. Sinon, c'est Josué Guébou, c'est tout à l'heure dans le décryptage. Josué Guébou, vous imaginez la joie qui nous anime de vous recevoir ici sur ce plateau d'Entre les Lignes. Ah bien sûr, cette joie elle est partagée. Je suis content de vous entendre le dire. En tout cas, c'est un honneur pour nous de recevoir un écrivain aussi brillant que vous. Pour nous un aussi. Écrivain qui compte dans la littérature, un digne descendant de Siri Bailly, dont on parlera certainement. Vous publiez plusieurs types de genres, pas qu'un seul. Généralement, les écrivains vont faire soit du roman, un peu de poésie. Vous, c'est presque tous les genres. Comment s'effectue le choix du genre selon l'histoire que vous écrivez? Alors, je pense que le texte, ou du moins la thématique, inspire le mode littéraire qu'on emploie. Par exemple, dans Le Sac de Yétéi, une œuvre dont on parlera certainement, vous voyez que le soubassement, c'est le soubassement du mythe, mais le même mythe transpire dans Le Sac de Yétéi comme dans Au chemin de Babounaki. C'était la deuxième question. Est-ce qu'on peut dire que Le Sac de Yétéi est une suite théâtrale du recueil de poèmes ou du long poème Au chemin de Babounaki? Je dirais une variante, pas une suite, une variante, parce que la suite aurait présupposé que des éléments qu'on n'arrive pas à percevoir dans Au chemin de Babounaki soient perçus dans Le Sac. Or, en réalité, c'est une variante, variation sur le même thème. Pourquoi décider de faire une variation, de composer, c'est presque musical, de composer une variation sur le même thème? Pourquoi ne pas passer à un autre type de mythe? J'imagine qu'il y a plusieurs mythes que vous aurez pu revisiter. Alors, vous savez que la création, c'est une sédimentation qui échappe quelquefois au créateur. Je pense que j'aurais d'autres éléments d'expression, mais dans l'immédiat, je l'ai ressenti comme cela, et donc j'ai ressenti le besoin de traduire le mythe de Babounaki en théâtre. Peut-être aussi qu'inconsciemment, j'estimais que la poésie n'était pas suffisamment expressive, ou elle n'avait pas forcément atteint le commun des lecteurs. C'est un poète qui parle. La poésie n'était pas suffisamment expressive. Expressive dans les oreilles de ceux qui la reçoivent. Parce qu'en réalité, le poète s'entend, mais est-ce que le poète est entendu? Est-ce que le poète est entendu? Je vous demande à vous. Est-ce que le poète Josué Guébou est entendu en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Et c'est aux Ivoiriens de pouvoir répondre, mais en tout cas, il s'entend bien lui-même. Mais j'imagine que vous parlez aux Ivoiriens, vous rencontrez des lecteurs, vous signez des dédicaces, vous participez à des salons, à des festivals. Non, j'avoue que mon texte dépasse le cadre géographique. J'écris de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que j'écris vraiment pour les Ivoiriens? Est-ce que j'écris seulement pour les Ivoiriens? La question se pose. Un texte qui est publié, il a vocation de transcender les frontières. Il a vocation, vous le dites, de transcender les frontières. Ici, il sera également question de frontières, mais on y reviendra. Est-ce que vous pouvez revenir assez brièvement sur le mythe de Babounaki, pour ceux qui n'ont pas encore lu? Alors, le mythe de Babounaki est l'histoire d'un chasseur qui avait 7 fils. Babounaki, il s'appelait, et dont les 7 fils étaient ainsi nommés. Le premier, Gibril Népi, dont le nom signifie le pisteur, le géographe, celui qui reconnaît le chemin, Gibril Népi. Le deuxième, c'est Genako, l'ostéologue, celui qui agit sur les eaux et qui est capable de réparer tous les eaux brisées. Le troisième, Blakou, qui est celui-là qui est le dermatologue, capable d'agir sur toutes les peaux altérées. Et le quatrième, c'est Pamanyomu, le pneumatologue, celui qui agit sur le souffle. Et le cinquième, c'est Pamadrou, celui qui infuse de sang, l'hématologue. Le sixième, c'est Diwuri, le rhéteur, le maître de la parole. Et le septième, Vuka, l'homme d'action. Alors, on voit bien que les 7 fils de Babounaki étaient pourvus chacun de capacités, d'éléments scientifiques, d'éléments artistiques. Et Babounaki va à la chasse, il ne revient pas. Un jour, deux jours, trois jours, on se dit, mais Babounaki, qui est un chasseur intrépide, qui a toutes les capacités, ne peut pas se perdre. S'il ne revient pas, c'est que malheur est arrivé. Et donc, ces 7 fils vont à sa recherche. Et effectivement, ils découvrent que le père, Babounaki, est mort. Et ils se disent, bon, il faut que nous mettions en connexion, en synergie, nos énergies, pour pouvoir ramener le père à la vie. C'est ce qu'ils font. Gibril Népi les conduit sur le chemin. Et Genako répare ses os. Le sang qu'il avait perdu, alors Pamadrou le lui infuse. Sa peau est réparée. Donc tous les fils mettent à contribution leurs arts et leurs sciences et le père est ressuscité. À la suite de la résurrection du père, ils repartent au village. C'est la grande joie, c'est la célébration, c'est la fête, c'est la liesse populaire. Mais il va se passer un élément qui va donc faire basculer l'allégresse dans la détresse. Il va falloir remettre le bliégogwa, c'est-à-dire le bissa, la queue de bœuf, à celui qui sera considéré comme le plus grand des héros. Et chaque fils va revendiquer la primauté.
Chaque fils va revendiquer la primauté. C'est bien de ce mythe dont est la variante, le sac de GTI qu'il vous faut lire le plus rapidement possible. Une très belle pièce théâtrale de Josué Guébeau. Alors ici, dans le sac GTI, c'est l'histoire des deux frères, donc des deux fils de Babonaki. On a Pamadrou et Diwili. Il y a également, on sourdine également l'histoire de GTI. Lorsqu'on lit, surtout je pense à l'acte 5 et l'acte 6, lorsqu'on lit le dialogue entre Pamadrou et Diwili, on a l'impression d'avoir une allégorie d'une certaine crise ivoirienne entre deux figures majeures de cette crise. Est-ce qu'on se tromperait ? Non, on ne se tromperait pas. Il y a plusieurs façons de lire un texte littéraire et je pense que cette lecture est possible, elle est même plausible. Il est important que le mythe soit socialisé et c'est ce qui fait qu'un mythe ne s'altère pas. Il a toujours une résonance dans l'actualité. Josué Guébeau, elle n'est pas que plausible, elle est très claire. On reconnaît très bien les traits, le discours, on reconnaît Diwili, on reconnaît Pamadrou, on reconnaît celui à qui on reproche de n'être pas d'ici, on reconnaît le bâtisseur de ponts. Il y a tellement de traits. On peut le penser, mais moi je fais une position, je fais une lecture, j'allais dire prospective. Est-ce que dans 50 ans, d'autres faits ne peuvent pas faire écho à ce que nous avons vécu? Est-ce que ce n'est pas le regard d'un contemporain qui veut figer le texte dans la temporalité? Le mythe. Est-ce que ce n'est pas le regard de l'écrivain qui assoit son texte dans la contemporanéité également? Non. Je pense que le texte, du moins le mythe, est avant nous. Il est antérieur à nous. Et il est possible que le mythe ait une autre résonance avant que nous puissions la découvrir, cette résonance-là. Donc il est possible que certains faits de l'actualité coïncident avec ce texte. C'est évident, c'est possible. Mais en même temps, tous les écrivains que nous recevons ici ont toujours cette astuce de dire « Non, mon texte n'est pas ancré. » En réalité, ce n'est pas une astuce. Je veux dire, si je voulais parler spécialement là, je suis aussi essayiste, si je tenais tant à parler des contradictions de la crise ivoirienne, j'en aurais parlé sans phare. Mais je pense que le recul que nous prenons du point de vue de la littérature mérite d'être respecté pour que notre texte ne sombre pas dans, j'allais dire, l'essai. Dans l'essai. Voilà, nous avons une obligation de phare. Très bien. Donc, allégorie, non pas du pouvoir ivoirien, mais allégorie du pouvoir simplement. Pourquoi écrire une pièce sur le pouvoir? Alors, je pense que le pouvoir lui-même nous détermine, quoi qu'on en dise. Les pouvoirs sont dans une position de dominance, voire de domination, et parler du pouvoir, parler des pouvoirs, c'est aussi interroger le destin de millions d'individus. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était important d'interroger le pouvoir, mais pas que le pouvoir, parce que le sac que j'ai dit ne parle pas que du pouvoir. Mais on va en reparler dans pas longtemps, mais restons sur le pouvoir. Tout à fait. Vous écrivez une très belle phrase. Cette pièce de théâtre, on reconnaît le poète, est parsemée de belles phrases, de fulgurances. Merci. Il y a Zibaudi, le mage Zibaudi, qui va écrire, qui va dire « Et enfin, pour survivre au pouvoir, qui est la plus populaire des solitudes, que ta compagne soit discrète. » La plus populaire des solitudes, le pouvoir. En quoi est-ce que le pouvoir est la plus populaire des solitudes? Alors, avant d'y répondre, j'aimerais dire que Zibaudi, c'est la variante du nom Bailli. Et l'homme qui parle est un homme sage. Il s'appelle Bailli. Je suggère. Alors, pour revenir au pouvoir qui est une solitude, c'est certainement, à mon humble niveau, j'ai vécu dans une vie pas très lointaine, une forme très, très relative de pouvoir. J'étais président des écrivains de Côte d'Ivoire. Et je peux dire que c'est une allégorie du pouvoir. J'avais pas les moyens, je ne roulais pas sous l'or. Mais je veux dire que quand on dirige plusieurs personnes, des fois, on est amené à faire des choix qui relèvent notre seule conscience. Et je pense que par-delà l'équipe qu'on a, le bureau qu'on a, par-delà la relative popularité qu'on peut avoir, la relative renommée qu'on peut avoir, on vit de façon très solitaire. Et je me suis dit, si à ce petit niveau de gestion très local, on peut le ressentir, certainement, cette solitude est radicalisée à des niveaux plus élevés. Très bien. En tout cas, belle réflexion sur la solitude du pouvoir. Vous l'avez dit, cette pièce de théâtre ne parle pas que du pouvoir. On parle du sac de GTI. GTI, c'est le grillon. GTI, également, dans la plupart des cultures universelles, cultures mondiales, le grillon va symboliser la renaissance, le cycle éternel. Donc il y a une forme de renaissance également avec GTI. Est-ce que GTI est l'allégorie de l'intellectuel ivoirien qui va se terrer au lieu d'apporter son intelligence à son peuple? Je pense qu'on peut le considérer ainsi. Parce que l'intellectuel a l'obligation d'être un phare, a l'obligation d'éclairer. Mais ce rôle-là n'incombe pas qu'à l'intellectuel. Il incombe aussi aux hommes de culte, de mon point de vue. Il incombe aussi aux artistes. Il incombe à ceux qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Il incombe à tous ceux-là qui ont mission, qui ont charge d'âme. Et donc, je pense que l'intellectuel peut s'insérer dans la figure de GTI.
Donc on va dire que la petite querelle que GTI va avoir avec son épouse est une sorte de critique également de l'intellectuel. Oui, on peut le considérer comme ça. Mais en même temps, GTI est un personnage qui dépasse et qui n'est pas, critiqué à juste titre. Son épouse lui reproche de ne pas faire bénéficier de son intelligence à son pays, mais GTI est dans la tactique. Parce que toute monstration n'est pas nécessairement utile. Toute monstration n'est pas utile. Je veux dire, il faut choisir son temps. Ceux qui vont de l'avant ne sont pas toujours ceux qui font tête baissée. Dans la projection, dans le progrès, il y a quelquefois des retraits. Il y a quelquefois de la dissimulation. Et c'est ce grand stratège de nom de Zoko Gbeli qui disait que pour tirer, il faut quelquefois être à couvert. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'aller toujours tête baissée. Il faut quelquefois apprendre à ramper. Quelquefois apprendre à se dissimuler pour tirer avec justesse. Apprendre à replier, apprendre à faire retraite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant en accueillant le lecteur dans l'instant lecteur? Le sac de GTI de Josué Guébo, une pièce magnifique que je vous suggère de lire. D'ailleurs, quelqu'un l'a lu et il est avec nous sur le plateau. Sébastien Nogales, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Antlening. Merci. J'imagine que vous n'avez pas lu que cette pièce. Vous lisez également d'autres types de livres. Oui, évidemment, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel afin de m'améliorer moi-même. Très bien, et on va dire que c'est une sorte également de développement personnel que nous proposons ici, Josué Guébo. Oui, tout à fait. Développement pour la société, développement communautaire. Et vous avez une question pour lui, il est là. Oui, que symbolise la femme de GTI? Donc, Josué Guébo, que symbolise la femme de GTI? Zidogoplou, je crois bien. Zidogoplou, tout à fait. Zidogoplou est un personnage mythique, un personnage qui appartient au mythe Krou en général. Zidogoplou vit, c'est la fourmi puante, mais qui vit la fourmi des cimetières. Et elle vit dans le sous-sol, elle n'est pas apparente. Mais dans la pièce, elle symbolise la pression sociale. Elle symbolise ce qui s'exerce comme pression sur l'intellectuel, sur l'homme qui a choisi de faire œuvre, j'allais dire d'ascèse. Quand vous choisissez de vous éloigner des ors, des flonflons, des pouvoirs, vous utilisez une pression. Parce que votre compagne voudrait que vous ayez un certain niveau de vie, vos parents voudraient que vous ayez un certain niveau de vie. Et donc, dans la pièce, elle peut symboliser la pression sociale. Merci Sébastien Nogales. Avec plaisir. On vous recevra quand vous voudrez pour parler d'un autre livre que vous avez lu. En attendant, quelqu'un d'autre a une question. Maintenant, la question selfie. Salut, je suis Touré Pessa, j'ai lu l'œuvre de Josué Guébo et j'ai une question à lui poser. Pourquoi à un moment important de la pièce, vous effacez Diwiri et Pamadrou de l'intrigue? Quelle raison motive ce choix? Merci. Alors Diwiri et Pamadrou disparaissent à un moment de l'œuvre parce que leur querelle intestine les annule eux-mêmes. Vous remarquez que les frères Babounaki, les fils de Babounaki s'affrontent. Et quand on s'affronte, on s'ennuie soi-même. Deux antagonistes ont vocation de se détruire. Et leur disparition est un symbole de la disparition, du moins de la destruction qu'impliquent les antagonismes. Et vous voyez bien que finalement, dans l'œuvre, c'est GTI qui prend le dessus. Ça veut dire que les frères se sont eux-mêmes annulés. Et donc leur disparition, comme je l'ai dit, exprime la destruction qui se trouve dans les affrontements intestins. Très bien, Josué Guébo. Là encore, question sur le pouvoir, on voit à quel point la question du pouvoir a été retenue par de nombreux lecteurs. Mais GTI, ce n'est pas que l'intellectuel, c'est aussi celui qui est sensible à la question environnementale. Absolument. À la pollution de la ville. Est-ce qu'on va dire que Josué Guébo est devenu maintenant un éco-citoyen? Josué Guébo enseigne par ailleurs ce qu'on appelle l'écosophie. Et il est possible, il enseigne l'écosophie qui est la science, la sagesse de l'écologie en fait. Et bon, il y a des grands théoriciens qui l'ont développé, Hans Jonas. Je pense à Guattari également. Exactement, Anne Laes aussi. Et ça peut l'avoir influencé. Parce que je veux dire qu'on est la somme de ce qu'on vit, on est la somme de ce qu'on lit. Et il est possible que la conscience écosophique ait transparu dans ce que j'ai écrit. Et comment se manifeste dans votre écriture cette éco-citoyenneté? Je veux dire qu'elle n'est pas nécessairement systématisée. Il n'y a pas une volonté, j'allais dire, clairement affichée. De la défendre, mais être transparent, quelquefois à notre insu, dans ce que nous disons. Et là, par exemple, je pense que nous avons une séquence de l'apparition de notre conscience éco-citoyenne. Très bien, on reviendra à cet échange dans pas longtemps. J'ai bien envie maintenant qu'on marque une petite pause pour rendre hommage à quelqu'un qui compte pour vous, un certain Zibaudi.
les grandes plumes. Né le 13 mars 1948 à Abidjan, Seri Bailly, après ses études secondaires et supérieures, embrasse une carrière universitaire. Il entre à l'université d'Abidjan-Cocody où il enseigne l'anglais. Il devient doyen de l'unité de formation et de recherche UFR chargé des langues et civilisations de l'université de Cocody. Membre du Front populaire ivoirien FPI depuis 1993, il entre au gouvernement le 4 janvier 2000 en qualité de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis est élu le 10 décembre 2000 député dans la circonscription de Daloa sous la bannière du FPI. Il sera reconduit au poste de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les gouvernements successifs avant d'être nommé le 5 août 2002 ministre de la communication. Zachary Seri Bailly quitte le gouvernement le 13 mars 2003 en cédant le fauteuil du ministère de la communication à Guillaume Soro. Figure de la gauche ivoirienne, il est révélé au grand public ivoirien par ses activités de chroniqueur. Ses chroniques de notre temps, publiées chaque mercredi à la dernière de couverture de l'hebdomadaire ivoirien Notre Temps 1991-1994, contribuent à forger de lui l'image d'un intellectuel perspicace, abordant d'une langue aussi poétique que sarcastique les mots de la société ivoirienne. Il est l'auteur de Hommage à Tiagori Tapé, Vraiment, et Deux guerres de transition. Guerre américaine et guerre ivoirienne, deux essais, et a également produit de nombreuses publications scientifiques dans le domaine des arts et civilisations. Un opposant précoce. Le grand public ne découvre Seri Bailly qu'au début des années 1990, mais les cercles contestataires dont naîtra la gauche ivoirienne le connaissent déjà dans les années 1970. En 1971, alors qu'il est étudiant, Seri Bailly est arrêté à la suite d'une contestation sur le campus et conduit de force au service militaire. Déporté de mars 1971 à janvier 1973 à Séguéla, à plus de 500 km d'Abidjan, il aura pour compagnon d'univers carcéral Laurent Gbagbo. Libéré, il reprend les études qu'il achève par une thèse de doctorat au département d'anglais. Seri Bailly intègre l'Université nationale de Côte d'Ivoire comme assistant. Après avoir gravi tous les échelons de la fonction, il est nommé doyen de l'unité de formation et de recherche des langues et civilisations de l'Université de Cocody jusqu'en 2001. Membre influent du CINARES, principal syndicat des enseignants du supérieur, Seri Bailly défend les intérêts de sa corporation. Figure de la gauche colombe, en tant qu'homme politique, Seri Bailly a la réputation d'être un homme aux vues modérées, ce qui suscite l'ire d'une partie des patriotes ivoiriens lors du déclenchement de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Ministre de la Communication à cette époque, Seri Bailly essuie les récriminations de son parti politique. Devant la redoutable machine des adversaires du discours officiel, une frange de la population estime insuffisante l'action du ministre de la Communication dirigé par Seri Bailly. Seri Bailly, l'un des plus grands intellectuels ivoiriens à qui nous rendons hommage dans cette émission, à qui nous rendons hommage également par la présence de l'un de ses fils spirituels, Josué Guébo. Seri Bailly, qui est très présent dans cette œuvre, présent comme personnage, parce qu'on peut dire que c'est lui le Mage Zibodi. Absolument. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous attache tant à Seri Bailly? Déjà, même le mythe de Babounaki, je l'ai appris de Seri Bailly. Vous savez que ce mythe-là possède de l'oralité. Il a été chanté, c'est vrai, par un artiste qu'il a chanté en son temps, son nom me reviendra, chanté une chanson qui s'appelle Va, Dikaliade. Voilà, il a chanté d'une certaine façon.
Mais bon, c'est un mythe que j'ai appris à l'oral, que Seri Bahi m'a dit. Donc je tiens ce mythe de Babou Naki, de Seri Bahi. Cette façon-là, déjà même pour cette œuvre-là, je veux dire qu'il représente la source. Mais sur beaucoup d'autres choses, il est mon père et mon repère sur beaucoup d'autres choses. Un père intellectuel. Un père intellectuel, un père aussi idéologique. Qu'est-ce qu'on peut retenir du passage de Seri Bahi dans la vie intellectuelle de l'histoire ivoirienne? Pour moi, ce serait d'abord premièrement la conscience mémorielle. Seri Bahi nous invite à avoir de la mémoire. Il estime qu'on ne peut mener efficacement les combats de demain si nous ne sommes pas instruits du passif et du passé, de l'histoire. Donc Seri Bahi nous instruit dans la nécessité d'être imprégnés de ce qu'il appelait la conscience mémorielle, ce qu'il appelait la mémoire de la destination. La mémoire de la destination. Il faut que nous nous souvenions, non pas d'où nous venons seulement, mais que nous nous souvenions où nous allons. Il y a une mémoire du futur. Une forme d'archéologie du futur, alors. Absolument. Très intéressant. Lorsqu'on lit le sac de GTI, il y a presque deux totems. Je pense qu'on aurait pu renommer cette pièce de théâtre « La racine et le pont ». Il y a une véritable réflexion sur l'ancrage territorial que symbolise la racine, mais également sur la traversée des frontières que symbolise le pont. Le pont. De quelle façon ces deux éléments vous ont influencé ou inspiré dans l'écriture de ce texte-là? Je pense que les circonstances que nous vivons aujourd'hui, les crises qui animent et qui enveniment notre environnement, sont essentiellement des crises de la territorialité et des frontières. Il me semble que les conflits actuels, tant nationaux qu'internationaux, font écho aux frontières, plus généralement. Et donc, dans ce texte-là, la notion d'ancrage territorial a été exprimée pour voir que ces notions sont quelquefois dérisoires et des fois on leur accorde plus d'intérêt qu'il ne faut. Nous créons donc un dialogue, on ne prend pas de position, j'allais dire, radicale. Il y a un affrontement entre ceux qui pensent que l'ancrage territorial doit, j'allais dire, être premier et ceux qui pensent qu'on peut dépasser, on peut le relativiser. Vous voyez que dans le conflit entre Diwéri et son frère, l'un prétend qu'on ne peut pas circonscrire son humanité à un espace territorial. Et l'autre pense qu'on ne peut aller à la continentalisation qu'en ayant appris à respecter le territoire national. Donc la racine et le pont. Que choisir entre la racine et le pont? Le pont. Je pense que les deux éléments sont importants. Aussi, il est aussi important de choisir le pont que la racine. On ne peut pas faire un pont sans l'ancrer. Tout point de racine, il n'y a pas de pont qui soit, j'allais dire, désincarné, de pont volant. Il faut forcément que le pont ait un ancrage. Et donc, le pont, comme la racine, sont deux éléments importants. Ce qui serait négatif, c'est la cristallisation du pont et c'est la cristallisation de la racine. Il faut éviter la maximisation, si on peut le dire, de ces éléments-là. Il faut éviter de les atrophier, de les cristalliser dans une sorte d'exagération, d'un attachement à leur réalité. Il faut un balancement intelligent entre le pont et la racine. Donc, un équilibre entre le pont et la racine. Merci beaucoup, Josué Guébo. Toujours un plaisir de parler avec vous, que ce soit dans une émission ou en dehors, dans des conférences. On espère vous revoir très bientôt pour votre prochain livre. On sait qu'il ne va pas tarder à venir, vous connaissant. Il est sous presse. Sous presse déjà. Il est sous presse et il pourrait s'intituler « Le poète et frère du migrant ». Deux titres se balancent, comme dans l'allégorie du pont et de la racine. Le premier titre pourrait être « Le poète et le frère du migrant » ou alors « Seuls les oiseaux savent la vérité sur les frontières ». Merci beaucoup d'avoir donné la primeur à entre les lignes, d'avoir le titre de votre prochain livre. On espère vous revoir très bientôt pour parler du poète et le frère du migrant. Merci beaucoup, cher. Trouver l'équilibre entre la racine et le pont, c'est avec ces mots de Josué Guébo que nous mettons fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, lire des livres. Mais en attendant, l'instant cela. À bientôt. Oyo, 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 hey. Aïe. Dans un paysage sans verdure, sur un sol sans couverture, sous un ciel sombre, sous des arbres sans ombre, pour une destination sur une terre sous laquelle vivent mes ancêtres, sans souffle, sans âme, tous devenus sable, pour fuir une vie sans vie, une vie sans envie, une vie de personne qui n'avait plus envie de vivre la vie de cette vie, j'ai marché. Oh.
bagam dia mdia mdia batapni amale amrabai mdia 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 batapni amale.